Salut, c'est moi Goku. Tu es bien sur la chaîne de Newek et il a besoin de tout ton soutien. Alors, envoie lui toute ton énergie en mettant un maximum de pouces bleus et en t'abonnant à sa chaîne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien, comme vous avez pu le voir, le 4e anniversaire est annoncé. Enfin, on sait que ça sera le 28 mai. Et du coup, il y aura un reveal and stuff qui sera du coup à 4h du matin. Donc, ce sera. Enfin, il y a écrit 2h, mais chez nous, ce sera 4h. J'essaierai d'être en live à cette heure-ci. J'espère que j'aurai rien de prévu, que je serai chez moi et que voilà, j'aurai personne en fait pour pouvoir peut-être faire ce live avec vous. Bon, on verra bien, j'espère. Donc, dans cette petite rétrospective, du coup, on a pu voir les personnages vedettes des anniversaires. Donc, on a vu le Végéto SSJ, le LF. On a vu ensuite Végéto Blue avec Getai Zamasu. Ensuite, on a vu Gogeta 4 ainsi que Gohan Revive. Donc voilà, ça a été les persos stars en fait de l'anniversaire. Bon, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Getai Zamasu corrompu. Il y a eu le Trunks LF, etc. Donc maintenant, à savoir. Mais qui va être la star du 4e anniversaire? Ça, c'est vraiment la grande question. Je vois énormément de monde, que ce soit Zaraki, que ce soit Fitz, que ce soit même Sofiane, en fait, qui disent, tous y pensent, en fait, à Migaté. Voilà, ils pensent tous à Migaté. Moi, je pense pas forcément à lui. Alors... Voilà, c'est juste, j'essaye d'être logique, même si dans Dragon Ball, dans DB Légendes, il n'y a pas... Attends, je vais mettre ne pas déranger, comme ça je ne serai pas dérangé. Même si dans DBL, il n'y a pas forcément des fois de logique, puisque là, par exemple, ils ont sorti un Jiren Full Power de nulle part, mais vraiment de nulle part, personne ne s'y attendait. Le Kaioken, on s'y attendait un tout petit peu, le Kaioken Ultra, on s'y attend un tout petit peu plus... Parce que il y avait en fait il y avait un item qui était sorti et puis il y avait des petits signes en fait qui faisaient que donc en vrai quand j'ai vu Kaioken Ultra j'ai pas été surpris, j'étais plus surpris quand Jiren est arrivé que Kaioken Ultra. En ce qui concerne Migaté, donc le Migaté no Gokui est sorti du coup en novembre, ça fait plus d'un an et demi, donc moi en fait je me dis s'ils doivent sortir un perso, bah, ce sera peut-être à ce moment-là. Après, c'est vrai que à l'anniversaire, tu te dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas sortir de plus hypant? Quel va être le personnage ultime hypant qui ferait que en fait tous les gens vont poule comme des malades? C'est sûr que Migaté fait partie de ces personnages, là. Et je me souviens très bien, moi j'avais invoqué sur Migaté, et quand j'avais voulu invoquer. Mais c'était horrible, horrible, c'était juste horrible. Tu faisais ton invocation, t'attendais une minute pour que ça se lance, c'était vraiment horrible. Donc, moi je crois pas trop en Migaté. Donc, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas fait de prédiction ou quoi. Peut-être que je ferai une vidéo prédiction, j'en sais rien, avant qu'il y ait des petites fuites, bien évidemment. Mais je vois pas Migaté sortir là, je le vois plus sortir du coup... en fin d'année, donc en novembre ou en fin d'année. Et maintenant aussi, comme tu as pu voir, c'est Végéto SSJ, Végéto Blue, Gogeta 4. Est-ce que... Alors, enfin, c'est même pas est-ce que... c'est même pas est-ce que... C'est quel va être le personnage fusion star
de l'anniversaire. Est-ce que ça va être un autre, est-ce que ça va être un Gogeta? Mais du coup, lequel? Parce que là, on a, regarde, on a déjà Gogeta Ultra, on a le Gogeta Rouge, on a eu Gogeta Blue, Gogeta LF, on a enfin Gogeta Blue, Blue LF, et peut-être qu'on aura un Gogeta Blue pas LF, je ne sais pas. Peut-être qu'on aura un Végéto Ultra. Honnêtement, moi, l'Ultra, je vois vraiment un Végéto, clairement. Mais voilà, quel va être le personnage fusion de l'anniversaire? Parce que je pense que Star, quel va être le personnage Star fusion de l'anniversaire? Moi, je pense que ça va être soit Végéto, soit un Gogeta. Mais du coup, quel Gogeta? Des Gogeta, en fait, il n'y en a pas 30 milliards, en fait. Il y a celui du film de Janemba, et puis il y a le Gogeta Blue. Et le Gogeta 4, mais ils vont pas ressortir un Gogeta 4, vu qu'on en a déjà eu un. Donc, en tout cas, ce qu'on sait, voilà, c'est que l'événement aura lieu, donc, enfin, l'anniversaire, le Reveal and Stuff, plutôt, ce sera le 28, je vais voir s'il n'y a pas des annonces in-game, déjà. Juste aller voir, par curiosité, mais ça m'étonnerait qu'ils aient déjà fait, qu'ils aient déjà fait des annonces in-game. Du coup, il y aura le Reveal and Stuff. Et en tout cas, moi, je suis très pressé, en fait, hein, d'avoir le Reveal and Stuff et de voir qui vont être les persos. Parce que là, ça fait déjà, entre collègues de la Shinden, ça fait genre une ou deux semaines qu'on en parle déjà. On a tous nos petites idées, etc. Moi, je fais partie de ceux que je pense pas qu'il y aura Migatel l'anniversaire. Et s'il y en a pas, bah, il y en a qui vont être déçus. Mais moi, personnellement, ça m'aura pas étonné. Donc voilà, c'est tout. Juste cette petite vidéo, bah, du coup, pour parler que ça y est, l'anniversaire a été annoncé. Quatrième anniversaire. Déjà quatrième anniversaire. Ça veut dire que ça va faire... ça fait quoi? 320 plus 3, 360 plus 360. Ça fait 720. 720 x 2, ça fait 1440 jours. Moi, j'ai déjà 1440 jours de connexion. Je vais aller voir mon nombre de jours de connexion. Je suis à 1442 ou 3, je sais plus. 1447, voilà, je suis bientôt... Oh, tiens, je vais avoir 100 CC pour les 1450 jours. Et pendant l'anniversaire, on sera aux 1500 jours. Après, bon, il y a un décalage de 3 semaines, mais parce que ils considèrent que la sortie officielle, c'est quand c'est sorti sur Android. Mais, à mon avis, on aura peut-être également... Non, ils considèrent que c'est au mois de mai, donc en fait ce sera plus juin, juillet, en fait, les 1500 jours. Je sais pas s'il y aura un événement, peut-être, je sais pas comment ça va se passer. Mais peut-être que pendant l'anniversaire, on a un événement pour les 1500 jours, peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et si tu n'es pas encore abonné, bah, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, alors je te le redis, à t'abonner, à enclencher la cloche des notifications... Et bien évidemment, à me mettre en commentaire ce que toi, tu penses qu'il va y avoir à l'anniversaire. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao, bye bye.